celle YouTube, Dark Vision. Premier étage, et c'est déjà un enfer à cause du bug de Terra. Terra est toujours buggée, elle fait toujours un dégât, donc allez-y, mollo. Hein. Comme on dit dans le milieu, on va juste faire remplissage d'LB avec Aileen, préparation de la LB, on lance la LB. On break pas. Si, il faut quand même impéril fire. Hein. Si j'impéril pas fire, c'est chais. Hein. Ah, la main est en X3 avec Sodi. La main est passée X3. Il est où son impéril? Non, ça change pas énormément, mais le jeu. Bah le jeu, il a d'ici quand même. Oui, j'avoue, ça se la pète d'avoir une X3, mais au final, ça fait de la merde. Non, mais on est obligé d'avoir les impérils, hein. Ça, c'est certain. Parce que sinon, on peut pas taper dans les hits de faiblesse de l'élément. Vous voyez? Donc, on fait ça. Les doubles AR, les triples AR, pardon. Non, mais là, ça devrait être bon. Voilà! J'ai cru que ça passait pas. J'ai eu peur! Donc, vous avez compris que Terra, c'est beaucoup trop fort. Mais, tant qu'il y a ce bug que si on fait trop de dégâts, ça affiche pas et ça fait 1. C'est le fameux bug qui, sur la japonaise, a été réparé bien plus tard et qui arrivera à un moment. Donc, le premier fight, c'est fait. Le deuxième fight, je pense que cette fois-ci, on peut faire la vraie rotation qu'on cherche. Bien entendu, parce que c'est quand même un vrai fight, normalement. Je dis bien normalement. Attention, surprise dans 3, 2, 1. Si cette vidéo est coupée, c'est normal. Je réenchaînerai tout de suite hein, pour voir. Hein. Mais du coup, on buff les dégâts de Terra, de Fire. On buff la LB de tout le monde. On augmente la TK et ça ne sert à rien. On met de la LB ici, double AR, LB de Van. On prépare la LB de Terra. En espérant que ça passera cette fois-ci. Je suis pas serein. Mais au lieu de buffer le dernier boss, il pourrait buffer tout hein, quand même. On lance la LB, on lance les tripes AR. Et les 2B 147 milliards de dégâts sont partis. 147 millions d'ailleurs. 2B c'est déjà les milliards. Pardonnez-moi. Donc, le stuff est simple. Hein. Et là, pour le coup, on ne peut pas faire plus simple. Oui, j'ai un peu... Ouais, j'avoue que... Un poquito, un peu stressas. Le stuff, puisque d'ailleurs, le stuff, on va partir même en physique, hein. D'après certaines personnes, ça, c'est ouf. Juste, son arme ici, ce serait suffisant. Hein. C'est juste pour avoir la LB, lancer la LB et basta. Pour ce qui est de Aileen, elle pourrait être nue, ce serait pareil. Je sais que certains, c'est leur fantasme, mais non. Ici, le sabre au carmin, c'est juste que j'aime bien mettre leur STMR pour le plaisir. Ici, Terra, on va la stuffer juste avec l'appel de la nature pour avoir quelques cristaux d'LB. C'est ma petite sécurité, puisque je lance avec Aileen les cristaux d'LB. Et ici, le stuff bis avec double épée, le corbeau pour les 50% de trop dual wield, le diadème de Rydia. Ça, par contre, c'est pas bis. Et heureusement que j'ai pas mis la bonne robe du coup. Puisque normalement la veste c'est celle-ci. Je ne sais pas pourquoi j'avais pas changé ma veste. Héliolite par contre ici en bague. Et ensuite Sora, la STMR de Squall, la STMR de Luna Freya, la STMR de alors Luna Freya et de Yuna Leska. Voilà pour le stuff. Des persos, un X2 suffit amplement, hein, ne vous inquiétez pas. Pour cela, par contre, pour ce qui sera de Xon et de Lorraine, mettez-lui juste une arme de type feu, puisque vous allez impérir le feu, et qu'il vous faut vos 100 hits dans l'élément concerné. C'est pour ça qu'ici, on met une Greatsword en fire. Voilà, pour le reste, il n'y a rien besoin de plus. Vous y remettrez juste cette arme, hein, vous mettez deux armes sur Xon. Alors, Xon, quand même, son téléphone pour avoir le triple skill. Mais à part ça, fin, franchement, il n'y a rien de besoin de fou pour ces premiers dans Dark Vision. Des bisous
Et la suite, c'est maintenant avec le physique.